Et donc, salut tout le monde, c'est Flavius Contentius. On se retrouve pour une nouvelle, j'allais dire une nouvelle série, un nouvel épisode sur Kaiserreich avec l'Empire français. Donc j'espère là que le son va bien aller, parce que je vous rappelle que l'année dernière, voilà, ça, le son saturé, donc là j'espère que ça ne sature plus, mais je pense que ça devrait aller là. Donc précédemment nous avions créé le Paméditerranéen. Oh, en Russie, il y a tout le monde qui mourait, oui, ça c'est un truc. Bon, ben, aux États-Unis, ben, je crois que ça va bientôt être la fin de la guerre. Enfin, peut-être la fin de la guerre si. Seattle est toujours là. J'ai cru avec elle a été prise. Et qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant? Ben, il y a une guerre entre les communistes et les Indiens impériaux. Ben, si on peut dire ça comme ça, mais. Ok. Alors, au Brésil, ils avaient fini la guerre civile. Enfin, c'était même pas une guerre civile, c'était juste tu tapes quelques rebelles et puis c'est tout. Ben, les guerres civiles, c'est plus ce que c'était. Ok, alors ils mettent au travail les ouvriers, les communistes d'Espagne. Oh, ça c'est horrible. Vous avez perdu, on est loin de chez nous. Ok, au travail. Quoi? Bah, j'ai dit au travail, quoi. Mais on a un peu, on a plus notre pays avec nous. C'est pas grave. Donc au Brésil, ils vont faire les purges. Bah, comme si ça suffisait pas d'être national-socialiste comme mon allié espagnol, qui est pas du tout dangereux. T'imagines, c'est le mec, il a un allié vraiment chelou. Et ce pire allié, ben c'est lui. Enfin, je veux dire, les carlistes, ils sont bien utiles. Oula. Ah, je veux dire, quand vous jouez à Heart of Iron 4, puis à Kaiserreich, enfin, ou à Dark Estuar, ça vous fait un choc. Et c'est horrible. Alors, je vais juste vérifier. Tiens, il y a une division, là. Ouais, bon, attention, je crois que j'avais dit que j'allais laisser celle-là. Bon, bah, d'ailleurs, j'ai pas vu, s'il faut la motoriser 1939, c'est que peut-être qu'ils ont fait la technologie d'infanterie, qui sait. Peut-être qu'ils l'ont fait. Oh là, exécuter manœuvre en Alsace-Lorraine. Oh oui, la France fait des manœuvres aussi en Alsace-Lorraine. Donc ça, on a une chance sur deux que la guerre éclate. Je vais quand même sauvegarder parce que je ne tiens pas à avoir encore mettre 500 ans à... oui, mais bon. Attendez, on va sauvegarder là. De toute façon, nationale France, on s'en sert plus. Oh, je voudrais tellement que la guerre éclate. 15 mars en Autriche. Non, Hongrie. Ça y est, les purges ont commencé en... Tu parles d'une bonne nouvelle. Et on a fini les motorisés 39 grâce à nos amis Rital. Merci les gars. Et on va faire maintenant les ingénieurs 1930 qui, je pense, là, les mecs, ils utilisent des piolets de la première guerre. Là, les mecs doivent être en mode, bon, vous nous donnez les meilleures armes. Ah bah oui, excusez-moi, j'aimerais que vous existiez. Alors, ouais, je me dis que s'ils récupèrent... Oh là, mais il y a des usines partout. Ah oui, c'est vrai que là... Bah attendez... Il n'y avait pas une flotte de... Ah bah si, elle est là où ma flotte débarquement, je suis con. Ah, Coric, tu fais n'importe quoi. Non, tu vas te redéployer à Tunis et on va préparer le débarquement. Délivrer... Ah, vous envoie des colis au... D'accord, en Bolivie, qui sont syndicalistes. Et l'Amérique du Sud, c'est le bordel. T'as des démocraties, t'as des communistes, t'as des fascistes. C'est quoi ce bazar? Moi, j'y comprends rien à votre géopolitique, les gars. Alors, on aura 5 divisions et on a 7 convois. Bah, ça devrait aller quand même. Un an depuis les guerres de l'opium, fin de la guerre civile d'Espagne. Attends, les mecs, ça fait peut-être 2 mois que la guerre est finie. Les mecs, ils apprennent déjà que la guerre. Ils apprennent que maintenant, hein. Dis donc. J'ai même pas commencé la poste dans le métier communiste, tu sais. Donc, normalement, la guerre éclate en mars-avril. Et Portland a été capturé. Ah oui, là par contre ça commence à sentir roussi. Ils ont encore quoi de convoi de victoire les Américains? San Diego, Los Angeles, ah bah oui. Ils ont plus... Ah, il y a encore Seattle. Ouais, ça devrait peut-être tenir. Enfin, j'espère qu'ils vont gagner. Parce que... Ah mais c'est jouer à Heart of Iron 4, puis à Dark Estuar, je peux vous dire, c'est bordel. Et encore, j'ai pas encore... Ah, manœuvre en Franche-Comté, en Elsace-Lothering. Est-ce que maintenant c'était pas par là? Ouais, bon... Ah bah toi ils ont pris les... Ouais, comment ils ont fait ça? Parce que je sais qu'ils revendiquent ces deux terres là et ils les ont prises. Ils osent annexer la Wallonie, non mais n'importe quoi. Et qu'est-ce que je vais encore sauvegarder, hein, parce que je tiens que la guerre éclate. Oui, je suis un salaud et alors... Chef, des milliers de vivres vont sûrement vous mourir. Ok, tant mieux. Chef, vous êtes un psychopathe. Non. Alors bon, c'est bien, on a de bonnes ressources. Alors on gagne plus de quoi? Ah oui, c'est vrai que je suis en train de reconstituer mon armée, parce que bon, j'ai une armée de singes. Enfin, j'ai des navires de guerre des années perpète les bains. Alors bon, c'est pas une armée, ça.
le Kaiser, la politique économique de l'Allemagne. Ok, je m'en fous un peu, mais bah, ça peut vous aider. Anniversaire de la Révolution 1821 en Grèce. Et c'est vrai que la Grèce. Ah, oui, l'Albanie, ils ont le Kosovo. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, le Kosovo. La nation est en train de reconstruire. C'est bien, c'est bien. Putain, 28 points de production. Bon, on va pas se mentir que le portugais, c'est la honte du pacte méditerranéen. Mais bon, ça, on va rien dire, hein, c'est nos copains. Là, par contre, s'ils m'attaquent, mon armée, elles font neige comme neige au soleil. Est-ce que les motorisés, oui. Oh, ça se reconstruit bien, très bien. Bon, par contre, les deux motorisés là, on va pas se mentir qu'elles font la gueule, mais bon, ça, c'est un détail, c'est un détail. Libérer l'Espagne est un. Ils peuvent pas en ricoler en Espagne. Bah oui, couillon, en Espagne, c'est à nous. Demander une apologie. Oh oui, c'est à partir de là que tout va changer. C'est à partir de là que la guerre peut éclater. Allez, je veux la guerre. Qui prépare la paix, prépare la guerre. Bien connu. Sainte de Formal. J'espère que vous allez vous engueuler. Engueulez-vous, entretuez-vous. Acceptez leurs apologies sur l'accident de Bretagne. Oh non, la guerre va pas éclater. Oh oui, pour le bas, qui a accepté leur proposition. Oh! Et donc, revoilà. C'est bon, la guerre a enfin éclaté. C'est un outrage. Préparez les troupes pour l'incident de Britain. Cela signifie la guerre. Guerre déclarée entre France et Allemagne. Et alors, l'international qui n'a que deux membres. Oh là là, là, ils vont se réclater. Et oh là, alors on a Flandre Wallonie, Allemagne. Attendez. Tiens, je savais pas qu'alors la Chine est dans la guerre. Vous êtes pas sérieux? Cité commerciale et l'Empire King? What? L'Empire King? Attendez, vous êtes pas sérieux? Poutine allié à l'Allemagne? Attends, ça fait que machin là. Ah oui. Ah oui, quand même, être en guerre contre les trois quarts du monde, ça va faire mal. Donc nous, on a intérêt à bien serrer les fesses parce que regardez-les, là, ils sont. Vous voudriez tout le temps. Dire qu'il y a la guerre aux Ottomans, oui! L'Égypte qui attaque l'Empire Ottoman. Oh putain! Oh, le bloc arabe! Le bloc arabe, n'est-ce pas? Oh là là, l'Empire Ottoman, il a quoi comme allié? Oh là, alors là, les Ottomans, vont perdre, je crois. Enfin, ils vont, t'as la moitié de leur pays qui sont. Un de nos cardinaux est mort. On va sauvegarder au cas où. Ah, la guerre qui a éclaté. Super, super, super. Déclarer la guerre aux Ottomans, les Perses entrent aussi en guerre contre l'Ottoman. On va donc. C'est la guerre. C'est la guerre. Bon, miaou, oui, miaou, c'est la guerre. Bon, là, par contre, faudrait peut-être que vos armées se barrent. Parce que moi, je peux pas attaquer. Oui, c'est bien, regardez. Il y a presque plus rien à la frontière française. Alors, l'Allemagne, elle a 92 divisions, donc 4 blindés et 8 QG. Hein, ça va, dis donc. Et eux, ils en ont 111. Donc, ça devrait peut-être aller au niveau combat. La grande croisade. Pam, papam. Qu'est-ce qui s'est passé en. D'accord, la Ruthénie blanche est devenue nationale socialiste. Et ils ont fait une paix. Oh là, oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Il a attaqué! Il a attaqué ce couillon! Monsieur Covering, la Russie attaque la Ruthénie blanche! Attends, t'as pas attaqué l'Allemagne quand même! Non, c'est bon, il a pas attaqué l'Allemagne. Ce couillon de carliste qui attaque! Ce singe, quoi, mais le mec, il peut pas s'empêcher d'attaquer les gens! Oh là 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 là! Oh là 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 là, ça commence mal, ça commence mal! Génial, ben c'est bien Nils, grâce à toi on est en guerre contre eux. Bon et on commence l'opération. De toute façon on n'a pas le choix là. Oh là là, ces imbéciles qui déclarent la guerre à tout le monde, quoi. Bon. Maintenant, débarquement de Syracuse, ça devrait bien aller normalement. On va attaquer Perpignan dans la foulée. En soutenant, je vous prie messieurs. Ben, alors, il me faut des bombardiers, oui j'ai des bombardiers. Non. Oui, on va affaiblir leur défense. Allons-y, les gars. Parce que là, vous avez fait n'importe quoi. Vous avez. C'est bien, hein, déjà qu'on est. Bon. On n'a pas le choix. On va attaquer Pau afin de soutenir. Monte Cassino, oui. Ouais, bon, ok, ils ont de la moderne. Pau, ça va moins bien. Perpignan, ça passe. On va attaquer Grenoble en 4 et en 3. Non, en 4e vitesse, ça se dit. Si ça se dit en 4e vitesse.
avoir fait des pertes et on va tout de suite envoyer les bombardiers. Central Italia, oui, on va débarquer en vitesse. Oh là là, mais les Carlistes, quoi, qui peuvent pas s'empêcher. Les Carlistes ont à tout attaquer, donc bravo, bravo, hein. Oh là, oh là là là, mais ça va, les mecs m'envoient toute leur armée, quoi. Oh là 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 là. Grenoble, baston. Oui. La France qui est en train d'envahir le Nord, là, c'est horrible. Oui, là, on est en train de leur faire mal. Oui, divisé en 36. Victoire à Nice. Bon, bah, puisqu'à Nice, hein, ces messieurs ne m'ont pas attaqué, on y retourne. Ah. Bon, on est de retour une nouvelle fois. En espérant que notre allié ne va pas refaire le bazar. Enfin, j'espère pas, ce serait trop bête quand même. Ouais, notre flotte à Syracuse, d'avance. Oh là, c'est imbécile d'espagnol, quoi. Ok, alors l'autre là-bas s'est fait arrêter au lieu. D'accord, donc eux c'est toujours une monarchie, mais. D'accord, les États ils sont pas dans l'État européen. Ah vas-y, pourtant ils sont. Ouais, c'est très bizarre cette. La Pologne a lâché l'Allemagne. Ah bah non. Ah bah non, c'est ils sont toujours. Oh là 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 là, là c'est. Quels imbéciles, c'est. Cette IA qui ne réfléchit pas, qui attaque l'Allemagne comme ça. Enfin, qui attaque. Oh là là là, n'importe quoi, ils ont fait vraiment l'alia. J'espère qu'ils vont pas rattaquer, hein. Bon. Là, faudrait peut-être que les Carlistes. Grande croisade. Et génial, ils recommencent. Bon. On va tenter un débarquement, de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien du tout, tu me diras. Oh là 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 là, ça commence, ça commence. On va commencer à faire du bombardement, là. Ouais, bon là par contre, c'est mal parti cette guerre, je vous le dis direct. Cela va falloir... Oh là là, mais quel n'importe quoi, cette IA qui attaque sans réfléchir. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont attaqué sans réfléchir. Bravo, hein. C'est, Ah bah, c'est bien, Nick. Je te remercie. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. À Cassino, on affronte... Balbon? D'accord, donc lui, c'est un... Voici le traître, votre majesté. Perpignan, on attaque. Et Anzio, on a tenu. Bonne nouvelle. De toute façon, là, on est en train de les attaquer dans le sud. Je vois pas comment ils vont faire. Chambéry, on se fait attaquer. Nice, on se fait attaquer. Aïe, aïe, aïe. Allez, mec, à Grenoble, faut qu'on attaque. Leclerc, tu vas attaquer à Grenoble. Toi, tu vas attaquer. Et toi, tu vas aider. Oh là là, mais n'importe... Pourquoi l'IA attaque? Pourquoi les Espagnols se sentent obligés d'attaquer? Je ne comprends pas. Donc on pleine d'eau. Bon, là, on est en train de percer. Grenoble, baston. Censorship. Bon, de toute façon, je pensais que ça allait être moi qui allais devoir déclarer la guerre. Mais non, c'est ces couillons qui l'ont fait à ma place, quoi. C'est... Oh là là, on a vraiment intérêt à avoir l'armée espagnole. Vous débarquez, hein? Oui! Et merde, on a les cocos contre nous. Génial, et ben c'est bien Coric. Coric, t'as les Anglais contre toi. Ça pouvait pas être pire. Eh ben si, ça l'est. Bon là, on va être obligé d'arrêter l'attaque par ici. Défaite à Grenoble. Bon là, mec, il m'attaque à 500 contre 1. Je veux bien vous y voir, les mecs. Oui, génial. Les premiers soldats débarquent. Là, il va falloir qu'on se replie dans tout le territoire espagnol. Quelle bande de singes, quoi! Les mecs peuvent pas s'empêcher d'attendre, non! Tu peux pas attendre, bien évidemment que non! Et Anzio se fait contre-attaquer. Mais bon, là, plutôt mal parti. Et Cassino va tomber, génial! Ça m'attaque avec quoi? Mais bon, combattez quand même, les gars. Les gars, prenez pas ce que je dis au sérieux non plus. Bon, là, on va se replier sur Turin. Et à Nice, ça tient Nice! Par contre, on va peut-être ordonner au mec ici de rester. Oh là là là, mais j'hallucine quoi, l'IA qui m'a même pas foutu d'attendre. Il y avait un truc à faire, c'était d'attendre. Non,
on attaque. Évidemment, je n'ai pas d'armée prête à contre-attaquer. Eh ben génial. Oh là, ça va mal se finir. Et l'Erida, il m'attaque. Comment pouvait... T'aurais jamais dû faire ça, mec. Mais bien sûr, hein, tu sais. Hein. Évidemment, j'ai une armée moderne. Et c'est en plus mes propres hommes, ils savent pas se battre. Alors bon, on va pas se mentir que c'est n'importe quoi. Là, on les tient. Enfin, on les tient plutôt mal. Parce que, bien évidemment, le gouvernement italien n'a pas pensé à avoir une armée convenable. Bilbao, on se fait attaquer. Ah bah oui, hein. Gênes, on se fait attaquer aussi. Bah génial. Il va vous replier à Gênes, tant qu'on y est. Oui, génial, le débarquement est un succès. Alors maintenant, De Gaulle, tu vas à... Tu vas là, quoi. Et pourquoi vous repartez? Donc, me revoilà. Afin de calmer les ardeurs totalitaires, je peux le dire comme ça, de mon stupide allié espagnol, ça on peut le dire aussi, j'ai pris contrôle donc de son armée afin d'arrêter ce carnage. Et c'est bon. Normalement, il devrait se calmer. Seul problème, c'est que j'ai dû assister impuissant à la stupidité de l'IA qui a eu tendance à tout redéplacer. Ça fait du bien d'installer des divisions, et là, tu vois l'IA qui te dit, va te faire foutre, mais qui... Mais à un point... Eh mais ça, je déteste quand l'IA me fait ce tour du... Oh là là, mais regardez-les, ils sont... Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi vous envoyez des soldats? Bon, là, il va falloir tout en vrai, on va... En espérant que notre cher... Parce que, bon, là, j'espère que ce couillon va pas attaquer, parce que, bon, là, s'il attaque, qui va y se faire? Moi, je veux pas venir l'aider tout le temps. Bon, Kiefer, il est toujours là. Là, vous allez là. Toi, tu vas là. J'ai l'impression d'avoir des enfants de 7 ans dans les mains, quoi. Please, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. C'est relou, ça, quand même. Non, c'est bon. C'est bon aussi. Comme prévu. Pourquoi l'IA divise tous? Ah, mais cette IA, elle est... Ah. Là, vous allez me dire que j'ai peut-être cheaté un peu, mais c'est une bonne cause. Parce que sinon, l'IA, elle allait foutre le bordel, tout simplement. Voilà, il y a toute l'armée italienne, je présume. Oui, 29 divisions, elles sont toutes là. L'espagnol, j'ai pas... Le portugais. Mais c'est... Vous allez ici, point final. Quoi, cette... Attends, il y a pas de port? Pourquoi j'ai mis cette division-là? Il y a même pas de côte. Non, je crois qu'ils ont vraiment tout... L'IA s'est vraiment permis de tout redéployer, quoi, c'est... Oh là 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 là, c'est chiant quand l'IA te... C'est pour ça que je switch le moins... Enfin, j'évite même de switcher totalement. Parce que sinon, l'IA, elle fait ça. Allez, bim, je switch comme ça, hein. J'espère vraiment qu'ils vont se détendre, parce que là, si je me reprends une guerre, je vous assure que je... Je rage quitte, tout simplement. Parce qu'en même temps, qui ne ragerait quitte? Qui... Alors déjà, on va reformer tout ça. Toi, tu vas là-dedans, tu retournes en métropole. Toi, est-ce que honnêtement, je te... Oui, toi, normalement, tu repars aussi là-bas. Allez, parce que là, vous m'avez saoulé, les gars, avec vos jeux de gamins. Bien, l'Espagnol a l'air de se tenir tranquille. Alors là, je vous assure, si vous attaquez, c'est la peine capitale pour lui. Attendez, je crois que dans le chef de l'armée espagnole, voilà, Francisco, le roi d'Espagne en personne, qui va combattre aux côtés de ses hommes. Bon, c'est plutôt historique, non? Oh là 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 là, mais ils ont fait n'importe quoi. Je déteste quand l'IA se fout de toi, mais... On dirait que tu surveilles des enfants, et puis que d'un coup, ces enfants, ils font hop 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 hop. Non! Non, 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 non. Bon, là, on va reconstruire l'armée italienne qui s'est débandée, et ça, c'est le cas de le dire, parce que j'ai des officiers de merde dans cette armée, tout simplement. Tout simplement. Toi, tu vas aller à Gênes. Toi, je crois que tu vas retourner à Chambéry. Vous reformez un groupe convenable, et puis vous la fermez. Ok, très bien, il y a un esprit malfaisant dans ma chambre. Non, alors donc les pays, la Belgique a été annexée, d'accord. Je m'en fiche, mais bon, si ça peut vous aider, les mecs de... Attends, c'est qui lui? D'accord, c'est un dictateur. J'aime bien ce que... Il s'est vraiment marqué, Rutles dictateur. Ok, c'est bien, regardez ça, ils sont en train d'abandonner leurs armées, là.
Alors j'ai envie de... honnêtement, j'attaquerai quand ils seront vers Düsseldorf, ben s'ils sont à Berlin, j'attaque tout de suite, attendez. Ça veut dire qu'ils ont plus d'armée s'ils sont à Berlin. Ça veut dire que c'est pas bon pour moi non plus, non plus. Centre la route de la Central America est finie. Oh là là, mais l'IA, elle fait d'une grande n'importe quoi, mais j'ai jamais eu une IA aussi conne. Là, on peut le dire tout de suite, l'IA est conne. Ce que j'aime bien, c'est que je me fais chier à mettre correctement mes petites armées, et il y a l'IA qui fait... C'est comme si tu faisais un truc de dominant, enfin, je sais pas comment vous dites, pas comment on dit, mais... Et que le et qui s'amuse volontairement à tout faire péter. Bon, guerre contre le syndicalisme, parce qu'attends, les communistes sont en guerre contre quoi? D'accord, en fait, vous êtes en guerre contre le monde entier. ça doit être un peu... ça doit être chiant d'être communiste. Parce que... Hein? Attends... La ligne Siegfried s'est fait percer? Ah non. Ah. Ah, les forts allemands sont fait attaquer, c'est pas beau à voir. Donc la Belgique a été annexée, ça c'est une bonne nouvelle. Hein Guillaume? T'inquiète pas, je vais venir t'aider quand tout ton pays sera tombé. Fin de la guerre d'Espagne. Putain, les Portugais, vous avez 50 ans de retard, quoi. National France. Oh, je respire la joie parce que l'IA n'a pas encore attaqué. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va attendre, là. Est-ce que... je sais pas vu s'ils ont passé le détroit de Gibraltar. Mais bon, ils ont dû passer le détroit de Gibraltar, à mon avis. Mon avis, ils ont passé le détroit. Je me sens... léger comme un oiseau. Vous savez pourquoi? Parce que l'IA n'a pas attaqué. Et quand il y en a craque pas... Alléluia! 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 Ça y est, première div arrive, bah, génial, hein, tu sais, il va falloir que je reconstruise toute l'armée. Ça a pris 30 ans à tout faire, eh ben allez. Envoyer de l'aide à la France, bah tu sais, ils sont pas... ils sont grands pour se défendre, ils sont aussi... Et ils savent se défendre, tes copains communistes, mec! Bon, après... Les Yankees ont remporté les élections 1939, alors c'est qui? Ah bah, le retour de Senior Kennedy. Oui, bon, là, aux États-Unis, la guerre civile, c'est un peu fini d'avance. 4 divisions, non, ça fait peut-être un peu trop, on va en renvoyer une à Turin pour reformer un groupe. C'est bien, là, ils sont en train d'abandonner leur frontière, là, ils sont en mode... Non, non, j'aime bien ce que... J'imagine trop Napoléon III qui est en train de faire au... Ah, excusez-moi, qui est en train de faire à Jouot et Blum. Allez-y, ne vous inquiétez pas, dégarnissez votre frontière, là, on n'est pas dangereux. J'ai pas confiance en vous, nous non plus, mais on est voisins depuis une bonne dizaine d'années, alors bon. Dans une journée, on reçoit toute l'armée. Ouais, normalement, à la fin de cette journée-là, les 8 divisions sont de retour. Alors là... Alors là, on va buter du... Ah bah, attendez, il faut encore attendre De Gaulle et le... Faut attendre encore De Gaulle. Un reste des paysans. Le truc du tsar... Ah, c'est pas bon, ça, en Russie. Oh oui, Carlis, we must... When we must stay... Oui, c'est génial, ils font... Je crois que c'est Steven Tola qui les a fait rentrer en guerre. Là, en résumé, ils viennent de dire « On va rester en dehors de vos conneries ». On sait jamais, hein. On sait jamais qu'il y a l'IA qui soit trop conne au point d'entraîner la deuxième guerre. On sait jamais. On sait jamais. Simplement. Hein. Alors bon, l'armée française, 9 divisions. Là, vous, les mecs, vous me dégoûtez. Putain, il y a encore une division qui doit arriver, quoi. Les bons lourdeaux, tu sais. Putain, le 25, ils arrivent, ça va. Je pense... les maîtricots arrivent. Et là, la guerre les Ottomans, j'ai la pitié pour eux, se font éclater les pauvres. Regardez-les, ils abandonnent leur territoire, là. Allez, on va reconstituer cette pré... Ah, oh, attendez, faut que les divisions arrivent, et là... C'est bon. Alors, premièrement... Voilà, De Gaulle avec son groupe. Bah on va former 2 divisions qui vont débarquer en Italie. Ah, c'est chiant, mais c'est chiant d'avoir l'IA qui s'est foutu de moi, quoi. Bon, de toute façon, la première fois que j'ai switché, je peux vous dire, j'ai dégoûté. Et tout ça en Italie. Les mecs vont être en mode, mais calmez-vous, majesté. Calmez-vous. Tu me dis ça, Francisco? Non, François, t'as entraîné la deuxième guerre mondiale. T'as entraîné la chute de notre alliance, espèce de couillon. Tu es un traître. Des innocents sont morts, espèce de fou. Espèce de fou.
La Wallonie a été annexée? Ah non, ça... Non, non, d'accord. Je me disais, mais attends, ils peuvent pas l'annexer. Ils peuvent pas annexer les Belges. Oh. Voilà, merci, hein. Merci, hein, tu sais. Alors, Leclerc, tu vas aller à... Gênes ou Venise? Gênes, tiens. Parce que bon, j'ai disons mauvais souvenirs avec nos amis. Tous ces du Vigier, ben, je vais t'envoyer en... Non, on va attendre, on va attendre. Allez, là, faut attendre qu'elles aient fini de se redéployer. Voilà, comme ça. Et je vous envoie à Gênes. Voilà, Leclerc, lui, il roule. Majesté, c'est pas du jeu. Pourquoi moi, je dois rouler en camion? Ben, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, comment ça se passe, hein? Actuellement, les Allemands, ils résistent bien, hein, grand petite Ligue Siegfried, là. Les Allemands, eux, ils ont 104 divisions, dont une blindée. Ah oui, là, ils ont dû perdre... ils ont dû en perdre de la div. Ils ont vraiment dû perdre de la division. Alors, attendez, on va voir comment ça se déroule. Je pense que c'est peut-être un peu tôt, mais bon. On va voir les comparaisons de pertes. Alors, les communistes, les Fourcocos ont perdu 217 000 hommes. Ah oui. Et l'Allemagne, 346 000 hommes. Ça doit faire mal. Enfin, ça doit faire mal pour un pays comme l'Allemagne qui peut pas se permettre des pertes aussi lourdes. C'est génial. Regardez, ils sont en train d'abandonner tout leur pays, là. Il y a Darlan, là, qui est comme d'habitude en mode. N'inquiétez pas, je fais que passer. Bref, ça y est, nos renforts arrivent à soutenir, les supporter. Ouais, Namur qui est encore entre les mains des Allemands. Et dites donc, les mecs, pouvez-vous manier un peu les fesses là-haut, hein? Parce que moi, je voudrais bien attaquer, je voudrais bien vous attaquer. Je voudrais bien les récupérer Paris, si vous voyez ce que je veux dire. Le Danemark se fait attaquer. Ok. C'est n'importe quoi cette guerre. Cette guerre, c'est le bordel total. Allez, l'Allemand, là, tu peux pas perdre du terrain. Si l'Allemand il perd du terrain, c'est bien parce que ils vont devoir abandonner les divisions, les Français. Et Freud est mort. Et donc, alors, j'ai switché espagnol juste pour que l'IA n'ait pas l'idée géniale de me. Enfin, pour que l'espagnol n'ait pas l'idée géniale d'attaquer la France. Et visiblement, j'ai pas eu l'Even. Ah, d'accord. Moi je me fais attaquer, mais eux ils ont les. Moi je me fais attaquer parce que eux ils ont les ventes, mais moi par contre j'ai pas les ventes. D'accord. Donc là, bon bah du côté de l'Empire Ottoman ils sont morts. J'espère qu'on va pas avoir déclaration de guerre, hein. C'est bon, ça a l'air de se passer pour l'instant. C'est bien, on négocie des trucs avec l'Italie pendant que là-haut c'est la guerre. Donc 82. Bah dis donc. 80 de belligérance pour la Russie, là, je sais pas ce qu'ils ont fait pour attaquer tout le monde. Oh, ah d'accord, la Mongolie, c'est pas franchement mieux. Hein. Japon, 0. Ah, ils ont encore les nationalistes coréens. Ah, intéressant, intéressant. Japon, quoi. Les mecs, ils sont en pleine guerre. Et le Japon, ils sont bien partis pour se faire tuer. Alors là, faudrait que... Bon, là, en fait... Ouais, bon, si y a la guerre, au pire, on tentera, mais bon, c'est bien parti pour qu'on n'ait pas la guerre. Oui? Oui? Excusez-moi, ça veut dire quoi? Ah d'accord, l'Empire ottoman est mort. Le sultan a été déposé et la Turquie est devenue communiste? Oh merde! D'habitude, ils peuvent créer une Turquie démocrate. Non, là, ils ont fait une Turquie communiste. Ça déconne pas les mecs, hein, le totalitarisme, c'est beau. C'est pas beau, justement. Voilà, visiblement, j'ai pas les ventes, j'espère. D'accord, ils ont 100 revendications. Ouais, en même temps, t'as vu comment ils se sont fait éliminer, les mecs. Ah, d'accord, eux, ils ont déclaré la guerre. Mais les mecs, vous êtes vraiment cons, quoi. Vous êtes en paix. Enfin, vous venez de gagner votre territoire et. Ah, Richthofen a gagné, je sais plus quoi. Ouais, je crois qu'il y avait un duel entre un pilote français. Ah, Arlon est tombé. Vive la Belgique! 3% de la frappe. Ben, Strasbourg est libéré, oui. La guerre chie. Ah oui, génial, parce que les Russes ils peuvent rejoindre la guerre, et là ils n'ont pas rejoint la guerre, c'est génial, les Russes ils s'en foutent, les mecs ils abandonnent le... Bon bah allez, le Japon qui va gagner la guerre en Chine, comment je sais ça? Ben j'ai déjà vu, et honnêtement ils sont forts. Ah, les communistes commencent à gagner du terrain en Inde. Ah bah oui, Osman, attends, il y avait un empire qui s'appelait les Ottomans, il s'est effondré. Oh, c'est tout ce qui reste des États-Unis. Oh putain, oh là là, ils ont plus que Las Vegas, Phoenix. Ah, ils ont pris du terrain quand même les Pacific States. Moi, ouais, il y a peut-être un espoir. En fait, pas du tout. Eh mec, t'as pas intérêt à me faire les 20 d'attaque, sinon... C'est bon. Ils n'ont pas renvoyé de division à la frontière pour l'instant. Parce qu'ils ont...
Ah bah non, ils renvoient tous. Les mecs, vous êtes un peu cons quand même. Il y a l'ennemi au nord. Ça m'étonne que les mecs renvoient des... Bah ouais, regardez ces cons là, ils sont en train de perdre toute la frontière. Visiblement, ils mettent ça qu'à la frontière... Ouais, ton Mexico, ouais, encouragez quoi. Cérémonie patriote. Ouais, si tu veux, mais bon. Là, s'ils m'attaquent en Italie, je suis mort. C'est plutôt moi qui ai l'avantage du terrain, c'est tout. Oh oui, attends, c'est vrai. Attends, est-ce que j'avais switché? Non, c'est bon, ils n'ont pas fait, parce que quand on switch, non, hein, généralement, ils envoient tout au cac. Non, c'est bon. Ah non, c'est bon, c'est bon. Ben, je pense qu'on peut mettre tout ça là, et on va emmener ici. Ok, aussi l'autre con, là, il entraîne la deuxième guerre. On est prêt. Les mecs, ils voient des navires de débarquement à côté d'eux. La République de Madras a été annexée. Attends, quoi? Les mecs, vous alliez déjà au... Les mecs, ils leur font... J'en veux être copain. Non. Oh, cette méchanceté de la part des communistes. La Thaïlande la Siam est devenue la Thaïlande, d'accord. Les États-Unis ont perdu un ministre. Oh, tu sais, bon. Ah, le Colombie et le Venezuela s'allient. Waouh, tu me diras... Oh, la Chine qui est en train de se faire dévorer. Alors, ces mecs, ils perdent en Asie, comme ça... bah, comme ça, si je dois déclarer guerre à l'Allemagne, j'aurais pas besoin de prendre toute leur colonie. Parce que... Ils en ont des points de défense dans le Pacifique, là. Ils ont les îles de Nauru, je sais plus quoi, alors... c'est chiant, alors que là, s'ils perdent toute leur colonie dans le Pacifique, c'est super. Bon, après, c'est moins cool pour moi, mais bon... On va passer ce détail. Jour du Portugal. Si tu pouvais me faire une division, non? Vous êtes toujours les mêmes, les gars. Ils sont en train d'envoyer des divisions, ces salauds. Comme s'ils en avaient besoin. D'accord, il y a des avions allemands à Toulon. Mais c'est quoi ces mecs, là? Les mecs balancent leurs bombes depuis Toulon. Ouais, d'accord, hein, d'accord. Commémoration de la Bastille. Alors vous êtes en train de perdre, enfin. Putain, ils ont perdu Arlon. Et Arlon, c'est Arlongrad, là. C'est... Putain, ils ramènent de la division, ces singes, quoi. Rumeur dans le sud. Non. Je sais pas ce que ça allait dire. Peut-être qu'il y a un coup d'état britannique, qui sait, hein. Comme ça, j'aurais pas besoin de voyager en Angleterre non plus. Bonne blague. Ah, ces communistes, là, à la frontière, vous pouvez pas vous barrer, sérieux. Ah oui, oui, non, barrez-vous. Voyez pas que vos copains sont en train de mourir. Mon épisode va être assez court, parce qu'il faut que je mette en vidéo tous les extraits, que c'était le bordel. Ah, là, si vous m'attaquez à Chambéry avec vos didives, je fais pas le poids, là, on est bien d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils font, les Français? Là, vous avez juste fait la frontière avant la guerre, c'est tout ce que vous êtes capable de faire. Organisation des jeunes en enquête, présidentielle, le True Wing Party. Ah, c'est conservateur, d'accord. Intégralisme, le nouveau Brésil. Vous êtes toujours un socialiste, une constitution, quand on est national-socialiste, vous savez... sachez-le, ça change rien, généralement. Ouais, bon, après, je pense pas que s'ils m'attaquent là, ils gagnent. Ouais, bon, après, je me dis qu'ils ont... Ouais, je pense pas qu'ils ont de... Oh là, oh, la Chine est en train de se faire manger. Oh là, les cités légations, ils ont déjà plus rien. Oh non, les cités légations qui sont en train de se faire exterminer. Exterminate. Et dis donc, là, les cités légations, elles meurent tout de suite, ce serait super. Ça va faire deux membres en moins de la Mittel Europa, tu sais. Le mec est vraiment un salaud. Tiens, les mecs, vous avez plus rien. Et... Vous auriez jamais dû vous allier avec la Chine. Pudji, t'aurais jamais dû t'allier avec les... Mais par contre, ça avance dans le nord, par contre. Bon, est-ce que c'est vrai qu'il y a les... Ah, les Coréens se soulèvent. Bah, génial, Kim Jong-un est dans la place. non, attends, c'est Kim Il-sung est dans la place. Et bon, là, le Siam, il a peu de chances de gagner, je vous le dis. Enfin, à moins que ses copains, là, passent par là, ils ont une chance. Attends, je suis peu... Dixie Metal, j'imagine trop le mec, le Dixie Metal. Alors, remplacer le Sénat avec la Chambre des Corporations. Mais vous êtes fasciste, à quoi ça va vous servir? Vous êtes une dictature d'extrême droite. À quoi ça va vous servir un parlement? Non, excusez-moi, mais une dictature d'extrême droite, généralement, ça n'a pas de parlement. Regardez là-haut, ça s'effondre. Enfin non, ça avance. Dis donc, alors je pense qu'on va attaquer qu'à partir de 40, parce que, vu le nombre de divisions, hein, il n'est pas simple, il n'est pas dur de savoir que si j'attaque. La République Dominicaine ne sera plus une république? Ah, ils sont sociaux. What? Alors d'accord, donc... Le chef de la royale, enfin le chef de la flotte de République Dominicaine, c'est un communiste. C'est un... Ah, d'accord, ils sont libérés. D'accord. Très bien, hein. Ce damné. Ah, c'est le jour de Sedan, le jour où on s'est fait prendre la ville. Merde, je déteste ce jour. Vous verrez quand on aura Paris, Ouais.
Vous verrez quand on aura pris Berlin si vous pourrez encore faire la fête après ça. Maudit communiste. Alors, Romain, catholicité et religion d'État. Ouais, bon, faut une dictature extrême droite brésilienne, hein, on s'étonne pas que le christianisme soit la religion d'État. Putain, ce rouge à la Turquie, ça me fait bien rire. Et en Chine, ça progresse quand même. Oh, là où ils ont repris. Ah oui, ça leur appartenait même pas, ça, c'est. Et la Chine, elle va se faire éclater, vous allez voir, ça va être beau. Perte de la Corée. What? Attendez, vous allez laisser la Corée. Ok, j'ai rien compris. Eh, hey, ils reprennent du terrain, les petits siamois. Le nouveau Kaiser. Le SPD est mort. Ah, Otto Wells est mort, très bien. Ah, il veut un SPD. Ah, et d'accord. Ah, bah attends, c'est une. Attends, l'Allemagne, c'est une démocratie. Est-ce qu'ils mettent un social-démocrate? Bah, tant mieux. Tant mieux. Bon, je voudrais bien que ces divisions disparaissent, là, parce qu'honnêtement, bon, je suis pas. Le roi est mort. Vive le roi. Allez, c'est qui le nouveau roi? Putain. Tout petit, lui. Chaumont. Putain, là, j'espère que les Allemands ne vont pas progresser trop. De toute façon, les Russes sont pas dans l'alliance, je risque rien. Non, ils sont alliés à la Mongolie, au Tibet et à tous ces débris là-haut. Enfin, ça me fait bien rire quand même, la Mongolie, elle a gardé les territoires de Stenberg, quoi. C'est les mecs, c'est n'importe quoi. Et la Chine qui est en train de s'effondrer au sud. Mais bon, par contre, la Thaïlande, ils ont. Ouais, ils sont mal partis, les Chinois. Enfin, les Japonais. À part s'ils prennent le sud. Ouais, ils ont peut-être une chance en fait. Ah non, c'est toujours Carly, je pensais qu'ils avaient changé de nom, mais... Oh oui, on a des nouvelles divisions en plus. Ah, attendez, je veux la division. Voilà, Amnesia avec des tanks. Qu'est-ce qu'on demandait de plus? Des tanks. Génial. Bon, les mecs, ce serait bien de retirer vos divisions de chez moi, enfin, de ma frontière. Je, Von Verstorf est mort. Ça, je m'en fous de qui c'était. Ça fait un Allemand en moins sur Terre. Tu sais, le mec, vraiment pas normal. C'est bien, retirez vos divisions, là, vous n'en avez pas besoin. Oh là là, Belfort est tombé, mais faites quelque chose là. Ah, ils sont attaqués, tiens. Attends, je vais pas attendre de. Oh, mais pourquoi vous ramenez vos divisions? Oh oui, génial, on a un nouveau corps de division qui spawn. Par contre, je ne peux pas les déployer. Génial, c'est un fail. J'ai des divisions, mais je ne peux pas les déployer. Trolololol. Bon, puisqu'on a des navires de transport, autant en profiter. Bon, est-ce que bon, là, je tiens à rappeler qu'on a une flotte de débarquement, faut pas trop en demander. Les Allemands sont en Suisse! Oh, ça avance! Et dis donc, la Wittkrieg, là, ça fait pas long feu, visiblement. Le Prising en Alsace-Lorraine. Ah bah, ils sont pas contents, les Alsaciens. Enfin, ils sont pas contents, les mecs, tout là-haut. Bah oui. Tu attendais à quoi, Philippe? Tu attendais honnêtement que les mecs soient contents, là? Vive l'Espagne, tout ça? Non, ils sont pas contents. Non, là, je vais diviser la flotte en deux, parce que... Voilà. Alors, donc, il y en aura... Vous allez aller en Italie. Non, vous allez aller en Espagne. Rebase. Et toi, tu vas aller en Italie pour soutenir les copains. Ouh, les copains, je vous oublierai. Faut peut-être que j'arrête avec ce troll. Ouais, je pense, en fait... Et la Suisse qui est encerclée, quoi. Si j'attaque maintenant, je pourrais tellement avoir la Suisse. Mais hey, les Allemands, ils font quoi, les communistes, là? Ils font rien. Attends, c'est quoi d'ailleurs les traits de l'autre Premier ministre? Attendez une minute. Einstein, ministre de l'armement? Albert, qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais c'est quoi ce gouvernement? Eh, ils ont vraiment que des sociodémocrates. Attends, on va te remettre la musique, hein. Voilà, un peu de musique pour se détendre. Et donc les communistes, là, ça fait pas les fiers là-haut, hein. Bon, par contre, je me dis, on va pas pouvoir libérer grand-chose du Nord, hein, parce que si j'attaque maintenant, ils vont m'attaquer, ouais. Bon, à part si les Français se... Non, là, c'est mort. Oui, une nouvelle usine en plus, super. Attendez, là, on a gagné la division. Ah, elle est passée où, la flotte? Mais là... Espèce de débile. Merci. Voilà, c'est navire de transport, je te jure. Bah. Ah bah c'est bon, ils sont arrivés. Je me disais, mais attends, les mecs sont passés. Bah non. Eh. Ah bah non, c'est, je les ai envoyés en... Pff, le mec complètement con, tu sais. Je les ai envoyés là-haut, mais bon, j'avais un peu zappé. Bon, tu me diras si je dois affronter les mecs là-haut.
Le parti Labour a gagné en Norvège. C'est les sociaux-démocrates, hein. Ils ont été réélus avec la majorité des voix. Genève est tombée. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là, la France... Bon, je vous promets pas qu'on puisse libérer... Comment c'est le nom Je vous promets pas qu'on puisse libérer Paris, mais par contre, je peux vous promettre qu'on aura au moins... Je pense qu'on aura peut-être libéré le sud de la France, hein. C'est bon, non, Allez, on va être sympa. Et ça, les historiens vont me faire la morale. Ah, parce que... Attends, j'ai un embargo. Comment ça, j'ai un embargo? Non, attends. Comment ça, j'ai un embargo sur ma faction? Ah, d'accord, les communistes, ils me font des embargos, ces petits salauds. D'accord. Mais, pourquoi... Mais... Attends, mais les Allemands viennent d'abandonner le sud et eux, ils font ça au... Ils viennent d'abandonner le sud et eux, ils font ça au sud. Enfin, et... Mais ils sont cons, les... Ils sont cons, les ces communards. Ah non, ça reprend du terrain, quand même. Le Creusot est tombé. Ah oui, là, par contre, il y a intérêt que... Il y a un mec, vous avez intérêt à... À vous dépêcher de libérer le sud. Lorsque je sens qu'on va libérer la côte ouest, je vais me sentir bien con, tu sais. Allez, là, m'éloignez-vous. Je veux libérer la France. Je veux libérer Paris. Oh oui, encore une division. Yes. Toi, je vais te renvoyer au nord. C'était... Non, pas cette chanson, je vous en prie. Oh non, cette chanson, je la garde moyen. Et allez, une nouvelle division qui va combattre à nos côtés contre les méchants allemands. À Grou-Grou, nous sommes les Allemands et nous venons conquérir l'Europe. Mais bien sûr, hein, tu sais, on n'a pas peur. Voilà, oh oui, c'est beau, on va peut-être avoir le bon moment pour attaquer. Bon, on va attendre les... San Diego a été capturé. Hé, ça tient là-haut, hein. Enfin, ça tient, mais ils se battent avec ce qu'ils ont, les mecs, hein. 200 points de production pour eux. Oh, les communistes sont en... Ah oui, là, par contre, si j'attaque les Anglais, ils vont débarquer en Afrique. Et ils vont débarquer avec quoi? Vichy est tombé. Maréchal. En plus, c'est les Allemands à Vichy, tu sais, c'est complètement historique. En 1939, ça, c'est moins historique. The war is upon us now. Ah, ils ont perdu. Ah, d'accord, ils les ont... Oh, et la Chine est en train de se faire manger. Bon, là, je pense que... Oui, là, si on attaque maintenant, on a une chance de gagner. Est-ce que je le fais? Vincent Auriol, oh t'es là, espèce de lâche. Il est là lui aussi. Oh mon dieu. Oh oui, ce serait le bon moment d'attaquer. Ce serait vraiment le bon moment pour attaquer, parce que là... Oh, mais bon, par contre, je pense pas qu'on va libérer Paris. Mais honnêtement, si on parvient à libérer Bordeaux et peut-être la côte ouest là, si on libère à peu près... Ouais, la Bretagne... On va, ouais, bon, la libération de la France, ça va être du n'importe quoi. Ah oui, bon, là, par contre, c'est problème quand tu joues la France nationale. Tu sais pas à quel moment faut attaquer pour battre la commune. Faut pas attaquer trop tard. Ben là, j'attaque un peu tard. Faut pas attaquer trop tôt parce qu'il y avait trop de dives. Parce que, oui, faut se rendre compte que l'alliance, elle est parfois pas forte. Bon, bah, Leclerc et tout, dans le prochain épisode, vous allez montrer votre vaillance. Y'a personne là, c'est super, on va débarquer sans aucun problème. Oh. Et là, on va se marrer. On va bien taper du coco, les gars, hein. Bon, chef, avec cette voix, c'était... Avec cet accent, ça allait pas. Oh. On va s'arrêter là, les gens. C'est... Là, c'est vraiment... Ça va être le... Ouais, là, ça va être la guerre. La guerre. À la guerre. Il faut savoir attaquer tôt. Pas comme cet imbécile de Flavius Contentius. Pas de milice, tu veux pas t'y mettre, toi aussi. Tu sais, le mec, il part dans un énorme délire. Eh, ils s'en sortent bien. Attends, ils ont signé la paix. Ah bah non, ils ont pas signé la paix. Eh, c'est bon la Grande Arabie, là. Les grands Arabes, n'est-ce pas? Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul, là. Bon, bah, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, au prochain épisode, nos 13 divisions ici, plus les 20 divisions ici, plus les 19 divisions ici, ce qui nous fait un total d'environ 60 divisions, si on compte les 5-6 là-dedans. Face à plus de 106 divisions, en espérant que... C'est perdu d'avance. Bon, si on parvient à libérer Paris, ce serait beau. Ça se trouve, je raconte n'importe quoi, les communistes, ils vont battre l'Allemagne, et ils vont se retourner contre nous en faisant... Bah dis donc, t'attaques les gens maintenant? Je vais te tuer, tu vas voir. 45 divisions, ils ont... Ah oui, là, si je dois envahir l'Angleterre, je suis mal. Allez, on augmente. Dites-moi, les mecs, vous êtes pas foirés. 39 divisions. Oh, excusez-moi, là je respire. 106, et là vous en avez 101. Ah, vous en avez 143 la dernière fois que j'avais vérifié. Ouais, l'Allemand, il a dû perdre de la dive dans le nord. C'était... Non! Continuez encore ça, chef, et je vous descends. Vas-y!
Tiens, petit con. Là, je suis vraiment en train de penser à dire, faut que j'arrête cet épisode. C'est parce que je suis content de jouer à Kaiser Reich et de pas avoir les problèmes habituels. Bon, bah là, ils ont encore leur revendication, c'est con. Le Japon qui a des révoltes chez lui, ça c'est pas normal. Ouais. Le Japon, il doit avoir un gros problème, mais... Ouais. Bon, bah la Thaïlande qui s'est fait battre, alors l'Allemagne va... Dans le prochain épisode, la guerre va-t-elle être déclarée? Oui. Enfin, j'espère, sinon cette série n'aurait aucun sens, mais bon. Et... Bah... Ouais, bon, je vais arrêter cet épisode tout de suite. J'espère que vous aurez bien aimé cet épisode, et je vous dis à la prochaine. Arrivederci.